la bienvenue pour ce nouveau Friday 5 Workout by NZA. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer des workouts qui vont cibler les fessiers. Et oui, mesdames, ça va cibler la culotte de cheval, les fessiers, galber l'arrière de la cuisse. Donc on a 5 exercices à faire. Je vous les montre, c'est parti. Premier exercice, on va se mettre à 4 pattes. Donc, les épaules sont bien dans le prolongement des poignets, on est ferme sur ses appuis. Les genoux sont pliés avec un angle droit. Et là, on va venir monter la jambe fléchie. Donc on travaille tout le fessier à l'arrière et on monte la jambe fléchie. On fait 20 répétitions de chaque jambe. C'est parti. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Lâche, on passe à l'autre jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, allez jusqu'au bout, 18, 19 et 20. On relâche, on peut venir s'asseoir sur les talons pour bien étirer. On chiffre bien et on passe à l'exercice suivant. Exercice suivant, même position de base, on est à quatre pattes et là on vient déplier les jambes et on vient poser le pied comme ceci à l'arrière, donc la jambe est tendue et on vient la lever tendue, on contracte bien l'arrière de la cuisse et le fessier. Pareil, on est parti pour 20. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On passe à notre jambe. Et go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On relâche. On vient s'asseoir sur les talons. On se détend bien, on relâche. On peut même venir s'étirer sur le côté pour bien étirer tout l'extérieur de la cuisse. Voilà. Et on est reparti, exercice suivant. Alors cette fois-ci, on vient se positionner sur les coudes. On croise les doigts, on joint les mains et là, on va venir. Donc on est toujours à quatre pattes. On va venir amener le genou à la poitrine. Puis, on va tendre la jambe à l'arrière et remonter. Genou poitrine et on tend à l'arrière. Allez, on est parti. 20 de chaque jambe. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Relâche et on va enchaîner avec l'autre jambe. On tend la jambe. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, allez, plus que 5, 16, 17, 18, 19, et 20. On s'étire. Donc on a fait 3 exercices, on va passer au 4e exercice. 4e exercice, toujours à 4 pattes. On va venir ouvrir sur le côté. Donc on ouvre, on garde la jambe bien fléchie, puis on redescend, on retient la jambe. De la même façon, on fait 20 séries de chaque jambe. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Hop, je me retourne. On souffle bien et on enchaîne. Pour la deuxième jambe. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On relâche bien. On s'assoit, on vient s'étirer de chaque côté. Et on va passer au dernier, au 5e et dernier exercice de ce Friday Five Workout. Alors pour ce faire, on va se mettre sur le dos. Donc sur le dos, on rapproche les talons des fesses, jambes fléchies, paume de main posée au sol. Tout le dos repose au sol également. Et là, on va venir faire des levées de bassin, comme ceci. Et là, on contracte bien les fesses, ainsi que les abdominaux. On est bien ancré au niveau des talons. Allez, série de 20. Go. 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et la petite surprise, si on peut, on reste dans cette posture et on contracte ici à fond les fessiers, on reste dans la posture. Allez, on tient bon, on respire bien, on remonte bien le bassin. Contracte. On reste environ 10 secondes à peu près. Si on peut plus, on tient plus. On
et on relâche tout doucement. On va venir ramener les genoux à la poitrine pour étirer. Donc, on vient bien ramener les genoux à la poitrine. Et si on peut, si on est assez souple, on enveloppe ses jambes avec ses mains, avec ses bras, pour bien tirer l'arrière de la cuisse, l'arrière des cuisses. Voilà, nous avons terminé pour ce Friday Five Workout by NZEDA. Donc c'est une séance express à faire tous les jours chez vous, tranquillement à la maison. Il y a 5 exercices à enchaîner, vous avez vu, c'est très rapide. On est largement capable de prendre ces 10 minutes pour s'occuper de soi. Je crois même que ça doit prendre un peu moins de 10 minutes. Donc allez-y, n'hésitez pas, foncez tous les jours, quand vous pouvez dans la journée, soit le matin, soit le soir. C'est à vous de décider. Intégrez cette petite séance de 10 minutes dans votre quotidien. Ça peut se faire très facilement quand on est motivé. Alors allez-y, go, c'est parti! Merci à vous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me suivre et à partager.